Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va à Petra Tumurumiu. Petra Tumurumiu. Ah, pardon, c'est super beau. C'est un caillou. Oui, non, mais c'est une plage aussi. C'est une plage avec. Genre, avec des cailloux. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais je suis pas gonflée. Petra Tumurumiu. Apparemment, c'est là où Aphrodite est née. Ah, c'est écrit ça sur le panneau? Non, c'est regardé, de alors... sur internet. Non, mais dis pas que tu le savais, espèce de gros. Non, mais ça, je l'ai appris quand j'avais 5 ans. Ouais, ok, ça. Et je m'en souviens. Allez, viens, venez avec nous. Ouais. Un peu de culture, un peu de culture. C'est un truc, ça m'est revenu là. Quand oui, tu m'as dit Petra Tumurumiu. T'as vu le panneau, il y avait écrit Aphrodite, je sais pas quoi. Tu m'as dit Petra Tumurumiu, j'ai dit, c'est là où elle est. Ouais, c'est son lieu de naissance. C'est marqué sur son extrait d'acte de naissance. Il y a écrit Aphrodite Birthplace là-bas. Petra Tumurumiu. C'est ce que je disais, ce que j'allais dire avant que tu me coupes. Non, mais tous. Tu m'as pas laissé finir, on ne saura jamais. Du coup, c'est beau quand même. Ouais, c'est mignon. Alors, par contre, c'est une plage avec des galets. C'est encore des cailloux. C'est des galets. C'est pas des cailloux, c'est des galets. Non, Petra Tumurumiu, c'est le caillou. Ah, mais. Et à la plage, c'est des galets. C'est ce que je disais. Ah, il est chiant. En fait, ça y est, je crois que tu ressembles au poisson dans Gang de requins. Pourquoi? Si, je crois qu'en fait, c'est ça, quand t'as gonflé. Ça y est, j'ai trouvé. Mais non, je ressemble à un avatar. Non, mais parce que t'essayais de faire genre, tu ressembles à un avatar. Mais là, il a un poil. Il... Yo, mais oh. Mais ça va, lui, hein? Hop, il avait la truite à l'air, le mec. Et là, et bah, ici, vous avez juste une petite supérette avec à boire et à manger. Ouais, vous et une petite glace. Des petites glaces. Ouais, des glaces. Chypre, c'est super. Les Chypriotes, franchement, trop cool. À chaque fois, on a été super bien reçus à l'hôtel. On a de la chance. Franchement, tout le monde est cool. Mais n'y allez pas pour la plage, en tout cas. Ou alors, allez-y avec des chaussures. Ou alors, on n'est pas du bon coin. En tout cas, du côté de Paphos, il n'y a pas de, de plage avec... Du vrai Paphos, sable. Paphos, c'est ça. Corallieu, c'est du sable. Mais en fait, sur la grande majorité de la plage, il y a des algues. Peut-être qu'après, du côté de Ayia Napa, tout ça. Ayia Napa, à mon avis, c'est là où il y a la fête. Mais hier soir, on a quand même trouvé des spots sympas pour boire des coups et tout ça, mais ça danse pas beaucoup. Et donc là, il va falloir qu'on trouve quelque chose, quelque part, à manger. Alors, c'est pas celle-là, c'est la prochaine à gauche. On va aller chez Mario. T'es sûr? Ah ouais, c'était la deuxième à gauche, c'est là où il y a le truc là-bas. Elle me fait pas confiance, c'est jamais. Au caillou, il n'y avait pas assez de trucs sympas à faire à côté, alors nous on a décidé de marcher. Il a décidé qu'on devait pas manger à la petite supérette, qu'on devait aller voir ce petit resto. J'ai regardé ce qu'il y avait autour, c'est le seul truc qu'il y a autour, mais il y a une belle vue. Il y a une belle vue, mais là actuellement il n'y a que du poulet. Il n'y a pas de salade, il n'y a pas de pâtes, il n'y a pas tout ça, parce qu'elle a dit quoi? Qu'ils étaient overbooked. Too much busy. Ouais. On est dimanche, peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce qui est dans le monde. Et du coup, on s'est fait. Au début, on n'avait pas compris. Et du coup, on s'est fait engueuler. Elle a tapé du pied. C'est un peu comme elle a dit, mais non. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas ça, ça. Ok. Aurélien a un petit peu regretté sur toi. Non, je ne regrette pas parce que, regardez. Hop, regardez. Si t'as dit qu'on aurait mieux fait de manger les sandwichs, peut-être. Ouais, mais en même temps, hier, j'ai dû finir ton burger au poulet. Donc je me suis dit, il a mangé un burger et demi avec des frites. Mais qui est-ce qui fait du gainage et des pompes et des trucs dans la piscine pour essayer de continuer un petit peu? Je suis en vacances, je fais pas de sport. Visiblement, c'était ma faute. Mais quand on voit l'assiette, franchement, même toi toute seule, tu l'aurais pas fini. On est d'accord ou pas? Avec le pain pita. Et la Kéo. Toujours la Kéo. On fait honneur à Chypre. Hein. Petit restaurant, d'ailleurs on va pas dire petit, j'en ai marre de dire petit. C'est ça pour du petit. Et elle a mis sa plus belle robe. Regardez, oh là là.
Mais j'ai pas ma plus belle tête. Jour 5, j'ai quoi dégonflé. Jour 5, ça va, regarde, tout va bien. Petite place où il n'y a personne pour l'instant. Nous sommes seuls. Petite Fat Marco Polo. C'est toujours petite, on dit toujours petite, mais non, c'est pas trop petit quand même. Marco Polo et quoi? Bolognaise. Et là, on va se péter le bide. Hey. Vas-y. Attends, parce que ça m'a l'air un peu chaud quand même. Bah tu souffles. Je suis un garçon sensible. Un homme sensible. Allez. Pas mal. On est dans un bar, ça s'appelle Le Noir. Je vais tousser direct. Je pense, vu la couleur, il est pas très... Il est pas très marron. Ouais, je pense qu'il est très alcoolisé. On va voir. Bon voyage. Et là, un petit Cosmo. Petit Cosmo. Voilà, c'est l'heure des shots. Les gars, un petit shot. Shot vodka Tabasco avec fresh lemon. Et une olive. On va pas y finir. Wow. Eh, ça pique. One more! Tell me more! Le meilleur endroit pour se baigner, c'est ici pour l'instant. Il n'est pas très courageux par contre. C'est l'Aquitérès ou le Catérès. Le nom dans la description. Allez! Aldo Machot! Personne ne connaît Adomachot, la démarche d'Adomachot. Shérif, merci pour le prêt. SA numéro 2. Test 1, test 2, test 1. Personne ne comprend, on peut dire qu'on veut. One Pulp Fiction, please. A blonde baguette, please. Parce que Pulp Fiction, c'est mon film préféré. Sauf que le resto qu'on avait choisi, c'était soi-disant la meilleure moussaka. Malheureusement, il est fermé, il ouvre que le midi. C'est des horaires, les pires horaires de l'histoire. Grave. 11h-16h. Qui fait ça? Surtout dans un lieu touristique. Donc du coup, on a changé. On va aller au Diazeus. Dias. Zeus. Il y a de la moussaka? Je crois pas. Mais on verra. Allez, c'est parti, venez avec nous. Regardez comment elle est rouge maintenant. Eh, putain, j'ai grave la haine. Moi, ça va très bien. Ça commence à peler, genre la peau, c'est dégueulasse. C'est vraiment crade. Mais à noter, ce pays est extraordinaire. Allez-y juste pour une chose, pas de moustiques, pas de guêpes. Grave. Ça, mais, ça fait la diff. Mais plein du chat. Ouais, il y a des chats. Il y a des chats partout. Il y en a partout. Il y a des chats partout. Aussi, il est pas content celui-là, c'est sûr. Coucou. Oui, t'as faim? Ayez un mec comme le mien, s'il vous plaît. Encore une fois. Bon, c'est fermé. C'est fermé. C'est pas possible. C'est là. C'est vide, il n'y a personne, c'est fermé. Attends, je vais frapper. Ils vont faire à manger comme ça. Hey, ça ouvre le midi, il y a écrit en plus ici. Ah bon? Il y a écrit là, open. Ah, et alors, ce genre, c'est ouvert qu'à midi? Bah ouais. Je change de mec, s'il vous plaît. C'est énorme. Attention, on va au pit stop avec Michael Bubble. Allez, c'est parti, le pit stop. Bon là, le resto est blindé. Et blindé de vieux d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens
qui ne sont pas de notre âge. C'est trop marrant. Il faut aller au stand comme nous. Un arrêt au stand d'ailleurs, ouais. On dit. Ouais. Tu vas manger une moussaka? Bah ouais, si on en a encore, parce qu'il faut moyen du monde. T'inquiète, on y croit. Ça. Et le petit sandwich. On est. Là, il cherche une moussaka. Alors, bon, on est. Allez, je parle pas trop fort parce qu'en fait, on est tombé dans un bingo loto improvisé. Ils sont en train de faire. All the threes, 33. On est pas bien là. 4 and 7, 47. 60, 7 and 8. 78, 5 and 7, 57, 2 and 1, 21, 6 and 8, 68, spaghetti bolognese. All the 8s, 88, 8. Ah, et franchement, on est pas bien là. J'avais jamais vu ça. Genre en mode pompe à essence. Ça c'est cool, tu vois. Avec des jantes de voiture. Des jantes en 16 pouces au moins. Voilà. Apparemment, elle a bien mangé, hein. Bouton, fermeture. T'as pas d'issue. Hop. Bon bah c'est bon là, ça y est, là, l'ambiance est revenue, hein. J'avais pas le droit de parler, c'est ouf. On va danser, hein. On se prépare pour le quiz. Team name, our lives. Yes, I. T'es prêt? T'es prêt, on va tous les défoncer. Toujours prêt. Toujours prêt. Mais là, culture générale en anglais. C'est eux qui sont pas prêts. Est-ce que tu es prête à faire un quiz en anglais? Là, on va taper de la géographie, hein, quand même. Ouais. Et après, on va taper donc de la recent music, ouais. Et peut-être même des séries, je crois. Et en fait, le truc, c'est que nous, les séries, les noms, on a les noms français. Yes, for me. Thank you, my friend. Ouh. Et là, thank you. Là, bon bah, je vais laisser Inès jouer. C'est sûr, là, c'est la défaite assurée. Bon, c'est mal parti parce que déjà, on comprend pas les questions. Ah. Ouais, c'est trop compliqué. On va faire un Question 3. Ah, attention. Which country is known as the land of thunderbolts? Which country is known as the land of thunderbolts? Bon, regardez, vous voyez les yeux là d'Inès? Pourquoi on est resté? C'est toi qui as dit. Parce que t'as cru que t'allais gagner 50 balles. Mais on va pas gagner. On est sorti du quiz. On était en train. J'étais plutôt forte. Non, mais vas-y, arrête. Sur le round. Non, mais sérieusement. J'étais plutôt forte. J'ai eu 4 bonnes réponses sur 10. Tout ça en anglais. Et lui, il a voulu partir. C'était fini, sinon j'allais finir avec 5 Long Island là, avec ces conneries. À Chypre, il faut pas jeter le papier toilette dans les toilettes. Et il n'y a pas de douchette. Aujourd'hui, première de la journée, on va à Aphrodite Waterpark. Les gars, petite précision, ici vous avez besoin d'adaptateurs, c'est pas du tout des prises. Ouais, en France. Ça, comme en Angleterre, je crois. Voilà. Donc, sachez-le, on nous l'a prêté à l'hôtel. Ouais. Anticipé. Et alors, les chargeurs rapides, oubliez, prenez des. Franchement, nous, ça a été un vrai problème. La batterie et le rechargement. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, on fait des vidéos, ça ne recharge pas du tout vite. Et en plus, à l'hôtel, ils nous en ont prêté qu'un. Du coup, c'est un peu la guerre. Il faut charger le PC, il faut charger les téléphones, il faut charger le stabilisateur. C'est la guerre. C'est trop une gamine. Elle m'a fait chier exprès, elle m'a dit ouais, vas-y, viens, on va faire des manèges, viens, on va faire des tours. Voilà, ouais, bon. Franchement, putain, c'est pas vraiment moi, c'est pas moi quoi. C'est ça. On commence par quoi?
dégager tous les gosses. Vas-y, cassez-vous les gosses. D'ailleurs, non, on est venu en juin exprès pour vous esquiver. Faut toujours qu'elle se coiffe. Bah oui, c'est pour... Ça prend toujours beaucoup trop de temps. Voilà, à quoi ça ressemble, voilà. De loin. Vas-y. Elle veut se balader en bouée. Bah, pour déjà attaquer la température de l'eau. Non, vas-y, bien, on va faire un truc de fou. C'est moi qui vais les faire, elles vont voir au casse-pipe comme d'hab. Juste avant que j'allume la vidéo, j'allume la caméra, il a quand même dit, j'avoue, j'ai un peu peur. Petit moment de restauration, attention, il faut savoir, toujours à titre informatif. Déjà, l'entrée pour la Project Water Park, elle est de 31€. Prenez-les directement au parc, parce que sur les sites, c'est toujours plus cher. Donc, ils te donnent une clé pour les casiers. On avait eu enfin, moi, j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas le choix, en fait. Elle a balancé la clé, elle a dit, c'est 5€ quand vous revenez. Donc, la clé... Pour la journée, pour le casier, c'est 5€. 5€. Tu n'as pas le choix, après, tu dois en fait, payer. Vous avez un code barre sur vos bracelets. Et en fait, quand vous consommez, on vous scanne le code barre et à la fin, vous avez la note. Voilà, tu payes toi la sortie. Mais c'est bien d'un côté, au moins, tu ne te trimbales pas avec l'argent. Il y a beaucoup d'anglais et ils sont tout rouges. Ils sont pas prêts, les anglais. Un peu comme nous. Je pense qu'on a fait un peu trop les warriors. On a trop cru, on était préparés au soleil. Mais eux, encore pire. Ils sont vraiment en mode FMC. Je pense qu'après avoir dit ça, Inès va encore gonfler du visage. Le karma va encore nous rattraper. Donc nous, on est des enfants là. Franchement, on casse des barres. Ne reproduisez pas ça chez vous. Là, on a essayé le Launa. On a réussi à choper les horaires entre midi 28 et 13h54, je crois. Ouais. Et il faut réserver, sachez-le. Parce que c'est très compliqué, apparemment, vu que les horaires d'ouverture sont très, très, très limités. Il a pris notre commande de boisson tout de suite. Les horaires vont être à Moussaka. On est venu ici pour la Moussaka. Et pour la bière, pour le white wine dry. Ouais, on va essayer. Ça va être un verre de vin. J'avoue. Là, je pense qu'Inès, elle va rentrer en skateboard. Habituellement, c'est genre là. Mais regarde pas. Le morceau de feta. C'est mignon, non? Je pense. Je pense que ce soir, on va se faire plaisir. Franchement, ce soir, c'est ton soir. On mange à l'heure des vieux. Il est 19h ici. Il y a une heure de plus qu'en France. Mais on était obligés parce que ça ferme à 21h. Mais bon, on critique pas ceux qui mangent à 19h, attention. Jamais. Nous, du temps en temps, on mange à 18h même. Donc là, on est sur de la moussaka. On parle vraiment. Alors, la moussaka, c'est pas du tout ce que c'est de base. Alors, normalement, la moussaka, de ce que je sais, c'est de la viande hachée. Et il y a de l'aubergine dedans. Et après, je sais plus. Mais là, les gars, on est sur de la moussaka. C'est parti. De compétition, là. Ouais, je crois vraiment, que là, on voit du loin. J'attends tes impressions. On dirait un peu un hachis parmentier pendant un moment. Ouais. On est ici pour goûter un petit verre chypriote. Elle aime pas la noix de coco. Et ouais. Et après, on va dire, genre, j'ai pris 10 kilos. J'avoue, il a fini ma part de moussaka parce que franchement. Je vais faire honneur au dessert parce qu'il a l'air homemade. Et par contre, elle va goûter. Non, j'aime pas la noix de coco. Au cours de ce voyage, j'ai l'impression qu'elle s'est révélée. Elle ne buvait pas de bière avant. Elle ne buvait pas de vin blanc, sec, dry, comme ils disent. Maintenant, le verre est vide. Elle ne mangeait pas de noix de coco. Elle mange de la noix de coco. Comme quoi, les voyages, non. Ça permet de s'ouvrir un petit peu. Yes, we're ready. It's possible to have two shots of... last time we tried the shot of vodka with Tabasco and fresh lemon. Okay, it's okay. So two like that. We want two other shots, but we don't know what. It's vodka, but
stronger. You want, again, vodka with something, or maybe if you want tequila, like something. Vodka ou plus tequila autre, Thomas. Non, plus shot de vodka. Comme choisir comme tu veux. Un tequila, c'est pas pareil. Or okay. If you want traditional Zivania. Zivania, c'est it's a vodka. It's vodka or it's tequila. No, sorry. But it's hot. It's hot. Yes. Là, les gars, on est sur deux shots chacun. Tabasco, lemon, et là, Zivania. Tu disais Zivania. Zivania. C'est aussi fort que la tequila. Oh putain. Ça, si t'en galères d'essence, tu peux mettre. Si tu fais la jonction des deux, tu peux rouler encore quelques kilomètres. La zdrovia. Ça veut dire à la tienne en russe. Mais bon. C'est parti. C'est fort. C'est un peu fort quand même. Oui, c'est un peu fort. Vodka Tabasco. Vodka Tabasco. Tabasco with fresh lemon and olive. Olive. Eh, really good. Yes. Il est en train de te chauffer les oreilles celui-là là. Non, ça va. Franchement, ce shot là. Ah, elle aime bien celui-là. Vodka, tabasco, citron, olive, pépite. Non, vraiment, il est bon, non? Ouais, franchement, il est bon celui-là. Il te débouche un peu les voies respiratoires. Ça, celui-là, à mon avis, celui-là, il est dur celui-là. Oh putain de merde. On attend un peu? Oui, on attend un peu, bien sûr. Second round. Second round. Bon là par contre c'est celui qui va nous coucher en mode uppercut. Mike Tyson. Allez, c'est le baby. Dernier shot des vacances. Parti. 1, 2, 3. Il va y aller Jerry. Ah bah voilà. Ça c'est dégueulasse. Celui-là il donne des frissons. C'est bon celui-là. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un vrai goût particulier.